Salut à tous, c'est GGO et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Atrium Project. Pour sa démo, on va du coup tester tout de suite le jeu. Ok. Ok. Du coup, ça c'est super place. Du coup, là je joue sur manette. Alors, ok, déplacement sélectionné. Ok, ça c'est une attaque lourde. Ok, là ici on tire. Les glissades. Ok, attaque lourde. Ok. Ok, c'est vrai qu'on a le pistolet. Ok. Ok, du coup on peut pas s'accrocher sur les bords. Ok. Ah! Alors, je fais ça deux fois. Ok. Ok, c'est pour. En gros, c'est comme si on faisait un petit slash. Comme ça. Ok. Trop tard. C'est même pas le monstre qui va me tuer, c'est. Ok. Normalement on apprend les bases des mécaniques. Ok. On peut pas orienter le canon de haut en bas et autres. Faut vraiment sauter. Alors on va mettre pause au jeu. Le son il est vachement fort. Voilà. Ok. J'ai vraiment mangé 3/4 de ma vie pour passer un parcours. Ah. Ok. Ah, je suis mort. Ok, on recommence à zéro. Ok, là on va gérer. J'ai vraiment nul manette. Dernière fois que je m'inflige une telle... Ah! Ok. Ok.
Non, je vais pas y arriver. C'est vraiment genre... On doit le faire au bon moment. Donc c'est chaud. Ouais, par contre, je pense qu'il n'y a jamais eu un joueur aussi nul que moi. Ok, en fait, plus on appuie, plus on saute haut, genre, je crois. J'ai pas fait encore attention. Donc là, il y avait ça. Deux fois comme ça. Du coup, là, on passe là. Ah, ok. Ouais, je crois. Quand on maintient. Ouais, non. J'ai dit une bêtise. Ok, on passe là, on est mort. Ok, on passe au dialogue. On l'a déjà eu. Par contre, il fait mal, hein. Ok, je prends des dégâts en fait quand je le touche. Mais non, je suis encore mort. Non. Et je sais pas. Ok. On prend pas de dégâts. Ok, lui je l'ai one shot. Allez, on y va. La petite animation, on passe. On a le perso. Est-ce que en fait je suis obligé de le fight? Parce qu'en vrai, je peux. Ah ouais, je suis obligé de le fight parce qu'en gros, il y a une barrière là-bas. Ah, là, il m'a eu. Non, mais. Ah, je l'ai touché. Allez, on va y arriver. Il y a un truc ou pas pour les soins? Ça, c'est pour une attaque super. Mais je sais pas comment on fait pour pouvoir l'attaquer. Là, c'est une attaque. Lourde, glissade, action, saut, passé, valide, attaque légère. Ah. Bon, pour le moment, je passe assez bien les épreuves comme ça. J'ai galéré que deux fois.
Ok, je suis bloqué, je peux vraiment rien faire. Ok, on va lire. Non mais... Non, il m'a eu. En fait, c'est même pas ses boules qui font super mal. C'est en gros, quand tu le touches, il fait encore plus mal. Non mais... Non! Je l'ai... Oh non! J'ai passé des heures. Ok, là, on prend 0 dégâts. Quand on m'avait parlé, genre, boss compliqué, quand j'ai parlé avec le dev, non, je m'attendais pas à ça. Non. Non, je peux pas aller plus loin. Mais comment je peux faire une attaque spéciale? Ah. Qu'est-ce qu'on peut pas casser? Comment je fais pour l'avoir? Ok, en gros ça m'a restauré ma santé. Ok, maintenant on a découvert l'attaque super. En gros, ok. Ok, ça va être genre la même chose que tout à l'heure.
Ok. Donc on a la ruche, une grande cavité souterraine habitant communauté de créatures dangereuses et agressives. On a la reine, okay, qui domine le monde souterrain. Elle est prête à tout pour protéger sa progéniture. Cyberstoner, une créature rocheuse massive et dangereuse, son poids le rend lent, mais gare à lui lorsqu'il s'élance. Ça, on l'a toujours pas croisé. Nissa, le Reaper, rapide, agressif. Il est pas très robuste, mais ses griffes sont extrêmement tranchantes. En gros, il va être rapide. Et quand il t'attaque, il fait super mal. Lui, il va être lent, il va te faire mal. Arachnix, croisement entre une araignée et un crabe de roche. Elle possède de longues pattes acérées qui peuvent vous lacérer en une fraction de seconde. Donc celui-ci va être rapide. Stranger, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais on verra. Est prêt à tout pour protéger son nid, il n'est jamais seul. Donc lui va attaquer plutôt en ordre et faire beaucoup de dégâts à plusieurs. Mais solo, je pense que ça se fait. Mucunit ne laisse passer personne. Il produit un mucus qui pulvérise sur tous les intrus pour les éloigner. Et la reine, voilà, on l'a déjà eu. Ok, on n'a rien d'autre à découvrir. Salut, moi c'est le mécano. Du coin, je pense que tu vas. Alors, je vais regarder le son. Ok. Je pense que tu vas avoir besoin de mon aide pour préparer ton épave. Quand ton vaisseau a explosé, des pièces sont dissipées. Mon robot est en train de restaurer le réseau de l'ordinateur central. Il me semble qu'il a déjà trouvé sa première destination. Quand tu auras ce don de. Nous avons besoin, reviens me voir, bonne chance. Ok. Ok. Pour le moment, il n'y a rien de plus que je puisse te dire. Je te souhaite de trouver la lumière. Ce qui va au bout du tunnel. Oh, voyageur des étoiles. Y a rien à récupérer. On va continuer tout droit. On va voir. Ok. J'ai mis une destination tout à l'heure. Donc je sais pas ce que ça vaut. Ça se trouve, je vais me faire éteindre. Et surtout que j'ai pas. On voit pas vraiment le nom. À la fin de la vidéo, je ferai un petit court détail de ce qui m'a plu ou pas plu. Donc là, on voit, il y a un œil. Ok. Ok, ça, c'était le truc là qui attaque. Ok. Donc en gros, ça va. Ok. Oh, ok, les juifs, ok. Comment je fais pour vaincre? Ok, lui il envoie. Ouais, il tape des esquives de la loutre. Par contre, les yeux, ils font tous mal. Je sais pas comment on peut les éliminer. Waouh. Ok. Waouh. Non, je suis mort. J'ai pas compris tout. Vraiment. Et quand on meurt, on se restaure ici. Ok. Je pense pas que je vais vous montrer toute la démo. Je vais jouer genre de mon côté et autres. Mais pour le moment. Ici. C'est là où on est. Ok. Du coup, on passe au niveau 2. Donc, comment on détruit les yeux?
Ça faut juste spam. Ok. Ok, genre là je peux pas pousser dessus sinon ça me fait mal. Comment? Est-ce que faut que je tape pile dans son œil? Ok. Ok, les yeux, pour les tuer, faut tirer dans leurs yeux. Ok. C'est logique. Par contre, ceux-là, là, en hauteur, je sais pas comment on fait. Ok, il n'y a vraiment aucune direction. Lui, il part. Ça, c'est vraiment à esquiver. Ah, je suis trop bête. Ok, encore recommencer. Ça, c'est quoi? Donc, on vient là. Ça, on spam. Ok. Ok, là il n'y en aura plus. Ok, là on récupère nos PV. Ok. Non, non, du coup, en fait, ça sert à rien. En gros, il y a ça qui va me tuer. Non. Les yeux, je sais pas comment on fait pour leur tirer dessus en hauteur. Normalement, il y a pas écrit genre direction haute. En partant du fait qu'il n'y en a pas de tir, on peut pas tirer en hauteur. C'est-à-dire qu'en gros, faut que je me grouille. Ok, là je l'ai eu. Là, je peux être bien. Ok, non, mauvaise idée. Ah, j'ai pas du tout le timing. Ok. Là. Ok, il me tire dessus. Là, c'est pour sélectionner, mais je sais pas quoi sélectionner.
Ok. Non. Non, j'ai trop le seum. Est-ce que je peux interagir avec le chien? Ah, dommage. On resélectionne le monde. En fait, c'est dommage, je sais pas. Genre que ça nous garde, tu vois, le monde qu'on avait sélectionné avant pour se téléporter. Mais ouais, ok. Ok, je vais rester là 2 secondes. Je me demande. Alors, du coup. Bon, je pense qu'il faut le faire comme ça. Ah. Ok, lui, on peut le passer comme ça. J'ai pris moins de dégâts que tout à l'heure. Ok. Il y a un nid pas loin. Ils attaquent jamais seuls. Ok, il y a un nid vraiment pas loin. Non. Merde. J'ai lancé un blast pour rien. Non, ok. Ok. Là, ça va être chiant avec le. En gros, dès que le truc arrive. Non.
Mais c'est quoi ce... Ok. J'ai un HP. Ok, là je suis obligé de mourir. Oh non, je pouvais rien faire. Bon, déjà je suis allé plus loin. J'ai oublié de sélectionner. Ok, dans tous les cas, lui il tire pas. Ok. Ok, là je suis en train de parler débile. Faut que j'économise. Ok. Non mais... En fait, je sens que je peux finir le jeu, mais il faut que je m'entraîne plus. Ouais, bah si je commence à faire ça. Ouais, non.
Ah. 'ai vraiment là zéro niveau. Ça fait 38 minutes qu'on joue. Je ferai un compte rendu de mes premières 1 heure sur la démo. Du coup, mes premières 1 heure sur le jeu. Le jeu, il est assez addictif, hein. T'as envie de finir le level, tu vois. Ok, là, je suis full PV. Pas question de perdre un seul PV. Ok. Je vois déjà les speedrunners ou les joueurs hardcore là, en train de dire faut jouer sans se faire toucher, tu vois. Sans perdre un seul PV. En mode. Ceci m'a vraiment fait. Ok, on ramène le truc là. Et là, c'est du full speedrun. Non, ça, par contre, ça, c'est trop. Ok. Ça va me saouler, par contre, le perso. Les yeux, ils sont énervants. Heureusement la musique, parce que sinon j'aurais déjà lâché depuis un moment. Non. Non. Ok.
Tant pis. Ok. Non. Alors, là, j'arrête tout ce qui est démonstration de la démo. J'ai pas réussi à aller jusqu'au boss, car pas encore assez d'expérience. C'est un peu dommage. Là, je vais commencer à parler de tout ce qui est qualité et des défauts du jeu. Donc, si vous voulez revoir le gameplay, je vous laisse retourner en arrière sur la vidéo. Donc, les qualités que j'ai pu trouver sur le jeu, c'est qu'il est assez addictif, qu'on aime bien y jouer. Donc, c'est-à-dire que même quand on meurt haute, on a envie de recommencer, on voit pas le temps passer. C'est ce qui est assez bien. Les mécaniques sont superbes et très bien pensées. Le son et les effets sont assez bien. Perso, j'ai assez kiffé. L'ambiance du jeu aussi. On a les maps ou les épreuves qui sont assez bien travaillées, qui donnent énormément de difficultés comme pour les yeux. Donc je me rappelle plus vraiment du prénom, du monstre. Mais les yeux donnent vraiment beaucoup de fil à retordre et on perd facilement des PV. Donc faut vraiment se concentrer à ne pas prendre de dégâts et prendre son temps, même si on peut faire du speedrun, ce qui est vraiment possible. Et j'ai aussi remarqué que les joueurs pouvaient terminer les niveaux sans prendre de dégâts. Alors pour tout ce qui est défaut au niveau du jeu, j'en ai que relevé 3 ou 4 ou 5 grands max. Il n'y en a pas énorme. Alors pour tout ce qui est tutoriel, assez bien. Juste pour l'attaque super, j'avais pas compris au début que c'était la barre jaune qui se trouve en haut à gauche. Et j'ai plus pensé que c'était les points bleus. Non, les 3 points verts qui indiquaient le nombre d'attaques super qu'on pouvait faire. Donc il manque juste ça à montrer où se trouve la jauge permettant de savoir quand on peut faire l'attaque. Pour le deuxième point, c'est au niveau du téléporteur pour accéder au niveau du coup. On ne voit pas assez bien les
les noms des levels. Ils sont assez petits et trop confondus avec l'arrière-plan du téléporteur. Donc on n'arrive pas vraiment à lire. Au niveau du téléporteur aussi, quand on meurt et qu'on respawn, on est obligé de remettre le level où on était. Donc resélectionner le niveau parce qu'il se reset à chaque fois. Je trouve pas ça super bien. Des fois j'oubliais, du coup j'allais directement dans le téléporteur. Ça me téléportait pas, du coup je faisais demi-tour pour rechanger. Ensuite c'est au niveau du menu. Au niveau du menu, à rajouter, donc là c'est suggestion. Et ce qui est du coup changer le niveau du son. Car on peut pas changer le son. C'est vraiment genre pendant le rec, j'ai dû réduire directement par OBS et non par le jeu. Donc ce qui était assez dommage. Et au niveau du choix de la langue, qui n'est pas directement qui est directement dans le menu principal, mais on ne le retrouve pas dans le menu pause pendant le jeu. Et il y a aussi le fait que le niveau, le niveau de difficulté ne peut être choisi que pendant le menu principal, mais n'est pas demandé quand on lance le jeu. Il est demandé, genre, c'est à sélectionner dès le début en fait. Donc on est sur le menu, on lance, on doit bien regarder le menu principal, choisir le niveau de difficulté, c'est écrit difficulté si je dis pas de bêtises, et après on lance. Bon pour le moment j'ai relevé que ça, le jeu est superbe, et je mets le lien de Steam du coup dans la description, et en commentaire aussi pour vous aider. C'est pour le moment la fin de cette vidéo. Et je vais essayer de faire un live dessus dans pas longtemps parce que c'est vraiment une sup c'est vraiment il y a beaucoup de contenu dans cette démo et je le trouve spécialement cool. Ciao.